Et c'est parti pour cette troisième épreuve à location, une nouvelle fois marqué un temps d'arrêt à l'ouverture des boîtes. Donc Man of His Word, comme on s'y attendait, se montre le plus rapide devant Rainbow Man. En troisième position, il y a Joey's Legacy qui a son extérieur Imperial City. Ensuite, Allocation et Prince of Wings. On se dirige vers la rue du gouvernement, toujours sous l'impulsion de Man of His Word qui est suivi par Rainbow Man. En troisième position, Joey's Legacy qui est rejoint maintenant par Imperial City. Ensuite, Allocation et Prince of Wings. Aux abords du dernier tournant, Rainbow Man accroche sérieusement Man of His Word avec Joey's Legacy, Imperial City tout juste derrière. En pleine ligne droite finale avec Man of His Word qui tente de repartir, lancé par Robbie Buck avec Rainbow Man qui tente de l'accrocher. Rainbow Man, Man of His Word. Rainbow Man a mis le nez devant et va aller s'imposer. Rainbow Man devant Man of His Word et Prince of Wings.